Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la première édition du JT du LIFV. Nous sommes le lundi 6 novembre 2017. Tout de suite, les titres de l'actualité. Les élèves de la classe de CE1-UCAS ont reçu des cartes postales de partout dans le monde. Nous sommes allés les voir. Les CP, CE1 et CE2 se sont présentés en anglais. Ils ont fait une vidéo. Nous en regarderons des extraits. En art plastique, les cinquièmes ont fait des silhouettes à la catering. Comment dit-on sorcière en russe, en lituanien ou en anglais? Nous sommes allés demander aux enfants de l'école. Jonas, Arnoldas et Sébastianas nous présenteront le collège lycée. Aujourd'hui, c'est Halloween. Nous avons fait un reportage à l'école. Nos journalistes sont partis en voyage pour nous montrer les plus beaux monuments du monde. Mais tout de suite, Matas et Tadas vont nous parler des animaux. Je suis Matas et aujourd'hui, je vais vous présenter l'animal le plus rapide qui court, le guépard. Il a 4 pieds, comme vous le voyez. Il court à peu près 110-120 km par heure. Il mange des autruches, des gazelles, des strimbocks, des petits coudous et des gnous. Et j'ai fini ma présentation, donc je donne ma parole à Tadas. Bonjour, je m'appelle Tadas. Je parle de chat. Il mange des oiseaux, de la viande. Il dort le jour et la nuit. Paris, Texas, Canada. La classe de Lucas a reçu des cartes postales de partout à travers le monde. Rougilé et Elisabetta sont allés leur demander pourquoi. Bonjour, on est dans la classe du Lucas et je vais demander la première question. Qu'est-ce que vous faites avec ces cartes postales? On les lit et après on regarde la capitale, le pays et le drapeau. D'où viennent ces cartes postales? Ces cartes postales viennent de Canada, de Angleterre, de Guadeloupe, de Estonie, de Croatie, de Grèce, de Japon, de France. Pourquoi vous voulez ces cartes postales? Je veux des cartes postales parce que pendant toute l'année, on va travailler sur les Jeux Olympiques. Quel est le rapport entre les cartes postales et les Jeux Olympiques? Il y a des athlètes qui viennent de tous les pays du monde. Merci de nous avoir partagé votre projet. La maîtresse d'anglais Eva a demandé aux élèves de CP, CE1, CE2 de se présenter. Nicolas les a filmés. Regardons des extraits de la vidéo. Good morning. Good morning. What's my name? My name is Eva. Hello. Hello. My name is Raphael. My name is Ostea. My name is Archie. My name is Matvey. My name is Martin. My name is Oscaras. I am a girl. I am a girl too. I am a girl. I'm a boy. I am 7 years old. I am 7 years old. I come from Ukraine. I speak Lithuanian, French, and a little bit English. I speak Scottish, English, French, and Lithuanian. My favorite color is blue. My favorite color is blue too. My favorite color is beige. My favorite subject at school is science. My favorite animal is leopard.
When I am older, I would like to be a military pilot. When I'm older, I would like to be a businessman. When I'm older, I just want to stay at home with my cat. When I'm older, I want to be a soldier. I love English. Vous pouvez retrouver cette vidéo en intégralité sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Connaissez-vous Kettering? Les élèves de 5e se sont inspirés de cet artiste américain pour peindre leur silhouette. Aujourd'hui, en arrivant à l'école, en arrivant au cours d'art, c'est la prof nous a parlé de Ken Kettering. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de dessins dans les métros, dans la rue, avec des bombes de peinture, comme des graffitis en fait. Et du coup, en fait, elle nous a proposé de nous allonger, de faire des figures sur du papier et après de nous dessiner notre contour et de peindre le contour. Du coup, après, pour après, peut-être mettre dans l'escalier de l'école. Boris et Kirillo, elle a demandé aux enfants comment on dit sorcière en toutes les langues. Ragana. Bruja. Ведьма. Witch. Сахара. Махшипа. Ведьма. Стрига. Уши. Bonjour à tout le monde. J'ai une personne spéciale qui on va faire une interview sur. Il s'appelle 006. Tu peux venir. Bonjour tout le monde. C'est moi, 006. C'est comment tu t'appelles en premier? Alors, je suis un agent secret. Du coup, je peux pas dire mon nom. Mon nom de code est 006. Alors, tu peux nous dire de quel pays tu viens? Alors, je viens de France, dans les Pyrénées, à côté de Gèdre, où j'ai rencontré Lauriane, Isabelle et leur classe au cours de la classe découverte. Tu y étais, toi? Je te reconnais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette classe découverte? Pendant la classe découverte, on a fait plein de choses différentes. Et moi, je venais tous les soirs. Et aujourd'hui, je suis à Vilnius pour quelques jours. Pour Halloween, spécial pour venir vous visiter. Alors, peut-être vous voulez nous dire pour quelle raison vraiment vous allez venir? Que pour Halloween ou pour des autres choses? Ah, il est vrai que j'ai d'autres raisons, mais elles sont top secrètes. Donc je ne veux pas vous les dire. Alors, pour combien de temps tu vas rester exactement en Vilnius? Je reste 2 jours, pas plus. Bon, d'accord, je crois que cette interview elle est finie, alors je donne la parole à Kirillo. Jonas et Arnoldas, deux élèves du collège, vont nous faire découvrir leur établissement. Regardons leur reportage. Bonjour, aujourd'hui on est au lycée international français de Vilnius et on va vous montrer l'intérieur du lycée. Quels sont les principaux lieux pour vous dans ce lycée? Je pense que c'est le foyer, la bibliothèque et le gymnase aussi et le bureau de Nathalie. D'accord, merci. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Shiloh et c'est Halloween. En quoi vous êtes déguisé? En sorcière. D'accord. En quoi vous êtes déguisé? Une sorcière. Est-ce que vous avez eu beaucoup de bonbons? Oui. Je suis déguisé en mort-vivant. D'accord. Avez-vous eu beaucoup de bonbons? Oui, quand même pas mal. Comment avez-vous fait les yeux? J'ai mis des lentilles. D'accord. Merci. Au revoir. À la prochaine, les enfants. Alors. Nous allons dans une classe où ils ont fait une citrouille et ils dessinent des dessins.
vous dessinez? Je dessine comme un squelette. D'accord. Tu dessines quoi? Je dessine un squelette. Ah oui, il est beau. Bonjour, tu es déguisée en quoi? Je suis déguisée en araignée. Ouh, ça fait peur. Tu nous montres? Oh, une grosse araignée dans ton dos. Pour finir ce journal, nos journalistes sont partis aux quatre coins du globe pour nous montrer les merveilles du monde. Bonjour, je suis Anida. Là-bas, il y a une très grosse, une très grosse mer. Elle s'appelle la mer du Baltique. Bonjour, je suis à New York et devant la Statue de la Liberté, la beauté de l'Amérique et aussi de New York. Au revoir. Je suis Nathalie. Bonjour, je m'appelle Yéva. Voici le Colisée de Rome. Il est très très vieux. Là-bas, on faisait plein de batailles. Bonjour, je m'appelle Kirillo. Je vous présente le monument de l'Ukraine. Bonjour, je m'appelle Inchen. Je suis devant le château de Atrakai. Bonjour, je m'appelle Simon. Là, c'est la tour Eiffel. C'est une tour très célèbre en France, à Paris. Bonjour, je m'appelle Giulietta. Je suis devant la tour de Pise en Italie. Au revoir et merci pour nous regarder.